Moi, j'aimerais bien lancer un sujet de discussion dans l'espace public, mais j'ai pas les codes. Pour attirer l'attention sur un problème, il y a une technique, c'est la politisation. Ça consiste à présenter le problème en référence à des valeurs politiques comme la liberté, l'égalité. Ah, mais moi, je veux pas du tout parler de l'égalité ou de liberté. Moi, je voudrais juste dire que maintenant qu'on parle que du coronavirus, eh ben, on parle plus du tout du glyphosate. Les problèmes se font concurrence les uns les autres pour être sur l'agenda politique, c'est-à-dire la liste des sujets qui vont faire l'objet d'une décision. Et un problème en chasse un autre. Oui, ben l'environnement, il n'est pas souvent à l'agenda politique, hein. Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. C'est vrai que l'environnement, en général, il est peu politisé. Mais c'est parce que c'est très grand l'environnement, c'est très vaste, c'est imprécis, c'est trop abstrait. En revanche, les formes concrètes que prend l'environnement sont beaucoup discutées. Pense au glyphosate, c'est pas forcément en tant que tel qu'on le questionne, mais où est-ce qu'il est épandu, où est-ce qu'il va? On va discuter des limites, des motifs oranges qu'il fait apparaître sur les champs. On va se poser la question de est-ce que c'est dangereux? On va parler des émotions attachées à cette forme, du dégoût, de la peur ou au contraire de la fierté. Alors ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui soient fiers d'utiliser du glyphosate. Toi, tu y vois un herbicide qui tue les herbes, les fleurs, il y a moins de nourriture pour les insectes et donc tu vois moins d'oiseaux. Mais pour les agriculteurs qui l'utilisent, c'est en remplacement du labour. Et du coup, ça préserve la vie du sol, les vers de terre. On peut être fier d'avoir un sol bien vivant. Et c'est pas possible d'avoir les deux ? Si, si, ça existe. C'est une des formes de l'agriculture, l'agriculture bio de conservation. Mais c'est pas toujours évident de composer l'environnement avec uniquement des motifs qu'on souhaite. Il y a des motifs antagonistes. Tu veux dire des formes qui vont pas bien ensemble ? Oui, c'est ça. Mais ceux qui défendent ces formes le font aussi pour d'autres motifs, pour des motifs d'espoir ou des motifs de crainte. Tu joues sur les mots, là ? Non ! Les motifs environnementaux sont à la fois des formes et des motivations. Alors pour toi, tout ce qui est dans l'environnement, c'est un motif ? Oui, si on a un mot commun pour en parler, et puis si on peut s'accorder sur la manière de le voir physiquement et politiquement. Même le coronavirus. Bah, le coronavirus, c'est d'abord un sujet sanitaire, évidemment, mais on peut aussi le voir comme un motif environnemental, puisque sa visibilité dans l'environnement est une question. On se demande s'il faut faire plus de tests pour le rendre plus visible. On voit bien que c'est les contours de l'épidémie qu'on essaye de stabiliser, donc là aussi, il y a une dimension environnementale. Et puis, il est aussi écologisé. On se pose la question de savoir si son émergence n'est pas liée à la disparition d'habitats des animaux sauvages. Et puis on se dit que sa présence, étant donné ses effets sur l'économie, a aussi des effets sur la pollution. Oui, sur la pollution de l'air. Mais pas sur la pollution par le glyphosate.